Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Alix, je suis autrice en littérature jeunesse. Mon roman Animal, paru aux éditions Slalom, a été sélectionné pour le prix des Incorruptibles. Donc, je suis vraiment très très heureuse de cette sélection parce que c'est un beau prix, une belle promotion de la littérature jeunesse. Et je vous remercie, élèves, professeurs, acteurs, de ce prix, de promouvoir ainsi cette littérature jeunesse. Donc Animal, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Miran, qui va fuir son pays en guerre pour arriver à notre pays en paix. Donc c'est vraiment le parcours d'un jeune migrant, il a 15 ans, il va franchir le désert, traverser la Méditerranée avec toutes les difficultés et l'horreur que cela implique. Il va être confronté à la dureté des passeurs, à l'intransigeance de ses compagnons de voyage, mais aussi à la bonté d'un vieux monsieur qui va l'aider. Et puis il va arriver en Italie, il va aussi faire une rencontre formidable, une dame italienne et ses 7 petits-enfants qui vont lui permettre d'arriver un jour en France, qui était son objectif. Donc l'idée, c'était vraiment de parler du parcours d'un migrant avec toutes les difficultés que cela implique, de montrer aussi que chaque personne qui fait partie de cette grande masse qu'on appelle donc les migrants, a une histoire particulière, une histoire singulière, a une identité. Donc voilà, Miran, il va connaître la faim, il va connaître la peur, il va connaître la solitude extrême, mais il va aussi faire de belles rencontres, découvrir la générosité. Et puis, c'est un roman qui parle aussi de résilience, d'espoir et d'humanité. Je vous souhaite une très bonne lecture à tous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée, à bientôt.